Mesdames et messieurs, les invités, militants et militantes du Parti démocratique de Guinée, je tiens la parole pour tout simplement vous remercier de votre présence pour cet anniversaire, le 51e anniversaire du bloc du 28 septembre 1958. Pour qui connaît la valeur et la dimension de cette date, ne peut qu'être fier du peuple de Guinée et fier de ces illustres dévanciers qui nous ont amenés à l'indépendance du pays. En prenant la parole, je vais tout simplement rendre un hommage mérité aux 60 conseillers territoriaux de la Guinée française le 28 septembre 1958 qui ont osé proclamer l'indépendance de la Guinée le jeudi 2 octobre 1958 à 10h30 du matin. Par ordre alphabétique, ce sont président de l'Assemblée nationale, Dallo Seyfelay, membre de cette assemblée issue du Conseil territorial de Guinée, Akar Najib Bogé, Béavoli Lulansana, Sari Baba Alimou, Bakema Ousmane, Badé Mamadou Tan, Béavoli Koma, Bari Alpha Oumar, Bari Ibrahim Abi Bari Doua, Bari Mamadou Doudé, Célestine Robert, Cissé Moustapha, Tamara Bangali, Tamara Moustapha, Tamara Sankumba, Tamara Moussa Sangiana, Tamara Lamine Ibrahima, Tamara Mouri, Kondé Ousmane, Demarchelier Jacques, Diallo Joseph, Diallo Oumar, Diallo Ibrahima, Diallo Agibou, Diallo Seyfelay, président de l'Assemblée nationale, Diallo Alpha Amadou, Diallo Amadou Pélivel, Kakadine Bemba, Kakadine Moussa, Diané Lansana, Boré Lama, Boudia Kouamourou, Boudia Mamadou Béda, Elash Pita Mori, Kofana Kessimba, Gonzo Kessi, Nyan Félix Marcos, Joachim Eugène, Louis Pita, Keta Ouremba, Keta Foleba, Keta Sanamou, Keta Komo, Mara Yomba, Mignard Eugène, Mané Bunga, Souma Moustapha, Souma Nabi Issa, Sos Leman, Sibaga Sila, Séni Fassine, Al Habib, Touré Sekou, premier président de la République de Guinée. Touré Gondo, Traoré Namadamine, Traoré Tabakalas, Touré Ismaël, Toungala Jean Faragé, Bailash Robert, Dien Goudou, Cham Ousmane, Toumani Sangaré. Voilà, très chers jeunes, ceux qui, le 2 octobre 1958, ont proclamé l'indépendance de la Guinée, cette Guinée aujourd'hui que nous vivons indépendante. Soyez fiers de la Guinée, car par ce territoire qui est le nôtre, toute l'Afrique occidentale française est sortie de la colonisation. Toute l'Afrique équatoriale française est sortie de la colonisation. Voilà quelle fierté. Venir aujourd'hui partager ce moment avec vous ne peut être qu'une fierté pour ceux qui connaissent la valeur de ce pays et pour ceux qui le souhaitent en tout cas faire du chemin. Tous mes encouragements au cadre des dirigeants du PDG. La ligne du PDG est juste. Elle est pour l'indépendance du peuple de Guinée et pour la prospérité du peuple de Guinée. Ce parti a exclu l'ethnocentrisme.
le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme étaient condamnés de la peine de mort dans sa vision politique. Voilà, très chers jeunes, ce que vous devrez retenir de ce parti, et soyez assurés que ses idées sont et demeureront éternelles pour le peuple de Guinée. Je vous remercie.